Nazareth est une ville de Galilée située à 37 km de Haïfa et à 22 km à l'ouest de Tibériade. Elle est entourée de montagnes descendant progressivement du Liban vers la plaine d'Esdrelon. Et c'est dans ce pays que la Sainte Famille a choisi de vivre et que Saint Joseph exerça sa profession. Dans un coin de la ville se trouve la basilique de l'Annonciation et, à côté, une chapelle dédiée à Saint Joseph. L'église de Saint-Joseph est une œuvre des franciscains datant de 1913, mais précédée par d'autres églises. L'église actuelle comprend les vestiges de l'église byzantine et d'une maison construite à la place de la maison de Saint-Joseph. Une église qui conserve une riche histoire. L'archéologie nous donne une certitude sur le lieu de l'incarnation. Nous avons des graffitis avec Cairo Maria et le témoignage judéo-chrétien indiquant qu'il s'agit du lieu de l'incarnation. Nous trouvons un peu moins dans la maison de la Sainte Famille. Il y a une grotte habitée et l'église a été construite au-dessus. La église a été construite en cima deste lugar. Être dans la maison de Saint Joseph, le Père de notre Seigneur, nous pousse à demander la protection de la famille. Cela ouvre nos cœurs à comprendre ce qu'est la famille. La maison de la Sainte Famille est aussi appelée le sanctuaire de la nutrition, car c'est là que Jésus a vécu une bonne partie de son enfance jusqu'à l'âge adulte et a appris le métier de son père putatif. Il est certainement allé travailler avec Saint Joseph quand il était adolescent. Il a eu l'expérience d'aller dans la ville hellénistique parce que Nazareth était un village de 450 habitants. C'était petit et il n'y avait pas de travail pour un artisan qui ne s'était pas déplacé. Joseph a dû se rendre à Séphoris où il espérait qu'on lui propose du travail et il faisait tout pour. Uma pessoa que o chamasse para trabalhar, porque ele fazia de tudo. Nous savons que lorsque Saint Joseph a vécu dans cette maison, il était un artisan et un excellent ouvrier. La profession lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et même son fils Jésus a travaillé avec lui dans les villages voisins. Che era il suo figliolo, l'ha seguito anche nei paesi vicini. L'évangéliste Matthieu mentionne la profession de Joseph relatant la question du peuple. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Alors que saint Marc appelle Jésus le charpentier. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? En ce jour où est célébrée la fête du travail, l'Église nous donne saint Joseph pour patron. Le pape Pie XII, l'Église et d'autres nous disent que Saint Joseph est un expert en humanité. Dans la doctrine sociale de l'Église ainsi que dans les documents, nous trouvons qu'il met en évidence et est toujours lié à la sauvegarde de la dignité du travail. Que Saint Joseph, travailleur, intercède pour tous les travailleurs. À tous les ouvriers, le Seigneur soit avec vous. Que vous bénisse Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.